l'année prochaine, il y a des... Non, vous arrivez en bas. Voilà, des bonnes balades. Ah ouais, faut, faut faire circuler là, donc on dégage ici s'il vous plaît. On dégage, on dégage. Marie à la dame, elle dit tiens. Bonjour madame. Oui, ça va. Eh ben bravo. Là, je vois pas de plaque de cadre. Moi, je sais pas. Voilà le final pour ce garçon. Ah, mais c'est le garçon de Connac. T'as pas mis ta. Ça lui a coupé son élan quand même. C'est peut-être un randonneur. Voilà. Pour ça qu'il a pas de plaque de guidon. En voilà un derrière. Bravo! Un deuxième, allez, c'est bien. Oui, alors que là, le deuxième vient d'arriver avec le dossard 216. Oui, je t'écoute là. Julien. Juste derrière, on retrouve David. Ok, ça c'est un gars sur la randonnée. Et puis juste derrière avec le dossard. Toute fleur,
C'est à découvrir, il est formidable. Il est très bon, c'est vrai. Pas Jean-Claude, le miel. Le miel, il est très bon. Jean-Claude est formidable aussi, quand même. Mais le miel est bon. Et le miel est très très bon, ouais. Voilà. Il a du miel d'acacia aussi, pour ceux qui aiment. Mais Jean-Claude, le miel d'acacia, il court pas après. Il a dit, moi, je trouve fade le miel d'acacia. Le miel toute fleur est formidable. Ça, c'est des garçons qui étaient sur la randonnée. Ils ont le maillot vert, le maillot du meilleur sprinter, il est là. Et puis le copain à côté, voilà, qui vont en terminer. Je ne sais pas combien ils ont fait, 80, 100 bornes, et ils vont nous le dire. 100. Ils sont sur le 100 km. Bah, bravo les gars. C'est bien, mon chien. Ah, mais il y a quelqu'un qui connaît bien. Et puis ça, c'est l'organisateur de la... Le garçon, il va en terminer. Bertrand qui termine avec le sourire. Il y a une plaque blanche, lui. Ah non, il y a un dossard bleu, quand même, un peu bleu. Ah, ça arrive là-bas, plein pot. Ah oui, un petit groupe là qui descend, hein, déjà un petit peloton un peu plus important, alors que le garçon va en terminer. Et là, voilà, bravo, en tous les cas, on vient de passer la ligne, Claude. Et là, c'est en train de se jouer, là, c'est les places d'honneur, là, allez, 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 on va accrocher un top 20, on le veut faire. Le garçon, il a la plaque derrière, ce sont des randonneurs. Et ça monte fort, il s'est bien arraché, en tous les cas, bravo pour le garçon de Tulle, qui vient d'en terminer ici, avec le dossard 247 à l'instant même. L'envététiste également, Vincent Goumy, hein. Un garçon qui termine bien également en costaud. Vous voyez, lui, il est parti, il avait mis les jambières, il a mis les surchaussures. C'est vrai que ce matin, il faisait un temps à pas mettre un cycliste. Encouragé par celui qui a été champion du monde, qui est là avec nous, monsieur Luc Leblanc, en personne. C'est gentil, Luc, de venir nous voir comme ça et d'encourager, de regarder les gars. Un petit mot pour tout le monde. Ça, c'est la marque de fabrique de Luc Leblanc. Il y en a qui aurait la tête, qui aurait gonflé et qui ne pourrait pas ne le porter. Mais là, non, c'est Pierre Adam qui vient d'arriver. Lui qui est toujours resté d'une simplicité exemplaire. Et il est à portée de tout le monde. Voilà un garçon qui a fait la randonnée. Oui, j'écoute. Ok, ok. D'accord. Ok. Ok, merci. Bravo. Nespoul, il passera où après pour arriver? De Nespoul. Attention, Alain. Un garçon qui en termine. C'est fini là. Le groupe qui était sur la de Carvalho. Juste derrière Benoît Gental, on voit arriver ici avec le dossard 200. Il s'agit du grand Cavel Mathieu, Creuse Oxygène, 149 et 211. Pardon, monsieur. Tu peux pas passer, Claude. Derrière. Putain, t'as raison de m'asseoir à mon âge. Ah oui, à ton âge, tu peux t'asseoir. T'as le droit. Et voilà, les garçons qui continuent d'arriver ici à l'instant même. Le 54, c'est pas elle, la Côte de Gaume, voilà, parce que en dehors de la Côte de Gaume, ben, y a rien d'autre. Hein. Alors ça fait du bien de monter des bosses de Corrèze. C'est bien que tu sois venu. Viens me voir jusque-là, tu peux revenir me voir, là, il n'y a pas de problème. Viens voir, on va. Il est venu avec qui? Alors t'es venu jouer, il y a Didier et Tom. C'est Frangin? C'est ton père, t'as... Ah ben oui, je te connais. Là, et où il est le papa? Oui, il est très loin. Je crois c'est Julien Lamy. Alors, ça t'a plu ce petit parcours? Ouais, ben j'ai du mal dans les bosses, quoi. Mais j'ai tout fait sur le plat et après, je revenais sur le plat et dans les bosses, je pétais. Oui, c'est ça. Hein. Mais c'est bien, ça fait un bel entraînement, là. C'est beau, quand même. Hein. Ah ben c'est clair, ça change des paysages parce que les grandes lignes droites des Landes, c'est pas très drôle. Alors qu'ici, ça change. Quand on part sur Parentis, qu'on revient sanguiner le vent dans la gueule, tout plat. De toute façon, là, on tourne le guidon une fois tous les 20. Oui, j'écoute.
Ok, ok. D'accord. Ok. Ok, merci. Bravo. Ouais, mais... Nespoul, il passe par où après pour arriver Nespoul, Alain. Un garçon qui en termine. Le groupe qui était sur la de Carvalho. Juste derrière Benoît Gental, on voit arriver ici avec le dossard 200. Il s'agit du grand Cavel Mathieu Creuse Oxygène. 149 et 211 continuent d'arriver. Là, on est toujours avec le groupe qui était sur la de Carvalho. Juste derrière Benoît Gental, on voit arriver ici avec le dossard 200. Il s'agit du grand Cavel Mathieu Creuse Oxygène. 149 et 211 qui en termine. Ça y est, c'est fait, c'était là. Elle, la Côte de Gaume, voilà, parce que en dehors de la Côte de Gaume, ben, y a rien d'autre. Hein. Alors ça fait du bien de monter les bosses de Corrèze, c'est bien que tu sois venu. Viens me voir jusque là, tu peux revenir me voir, là il n'y a pas de problème. Viens voir, on va. Il est venu avec qui? Alors t'es venu jouer, il y a Didier et Tom. C'est Frangin? C'est ton père? T'as... Ah ben oui, je te connais. Là, et où il est le papa? Oui, il est très loin. Je crois c'est Julien Lamy. Alors ça t'a plu ce petit parcours? Ouais, ben j'ai du mal dans les bosses quoi. Mais j'ai tout fait sur le plat et après je revenais sur le plat et dans les bosses je pétais. Oui, c'est ça. Hein. Mais c'est bien, ça fait un bel entraînement là, c'est beau quand même. Hein. Ah, ben c'est clair, ça change des paysages parce que les grandes lignes droites des Landes c'est pas très drôle. Alors qu'ici ça change quoi. Quand on part sur Parentis, qu'on revient sanguiner le vent dans la gueule tout plat. De toute façon là on tourne le guidon une fois tous les 20. Allez. Alors ça va lui faire du bien, ça va lui débloquer les cannes aux professionnels d'Aubervilliers et les galettes du Mont-Saint-Michel. Alors quand, là c'était nos amis motards de la Gendarmerie Nationale, l'escorte moto, sécurité course de la Corrèze. Heureusement, et on attend. Heureusement qu'il y avait l'ouverture de course. Bon, Van Nick. On repart. La voiture IMAX qui arrive ici avec Franck. Dégage. C'est pas lui, hein, apparemment. Une course absolument fulminante. Par ici, par le premier de la première heure. Oui, monsieur Michel, vous connaissez. Allez, voilà, il est là. Moré Van Niekerk, professionnel d'Aubert. Il va en terminer. Croutso Jonger. Bien, Croutso, hein. What a man. Voilà, je lui dis quelques mots hollandais, il est content. Ça monte, quoi. Ça monte. C'est ta spécialité, les côtes. Toi, t'es quoi? Puncher, t'es rouleur, sprinter? J'ai beaucoup de monde qui dit que je suis rouleur puncher. Donc, je me posais dans la position chrono et je mets la braquette et je... Ah oui, t'as mis tout un bloc. Exactement, je prends le 10ème à fond parce que j'étais pas sûr qu'il était d'avance.